Véronique, merci de nous accueillir en ce beau dimanche matin dans ta municipalité, notre municipalité, une des quatre qui ont fondé cette Acadie Nouvelle. Je me permets de saluer les gens qui sont de Saint-Alexis, de Saint-Jacques, Saint-Ligorie et Sainte-Marie qui nous accueillent ce matin. Évidemment, oui, Thériault avec des racines acadiennes, fière d'être acadienne. Et j'ai accepté parce que les Acadiens, c'est un peuple à qui ça vient me chercher en dedans. Moi, cet été, j'ai eu l'occasion d'aller dans le village natal de mon père à Saint-Léolin, au Nouveau-Brunswick, et on m'a fait l'opération de la petite séduction. Donc, j'ai reçu les clés de la ville. Je suis citoyenne honoraire de Saint-Léolin. J'ai eu l'occasion d'aller visiter la maison paternelle également et de recueillir les souvenirs où mon père a grandi. J'ai rencontré ses amis. Et la chaleur du peuple acadien, c'est une chaleur qui est contagieuse. Et à chaque fois que je viens dans la belle région de la Naudière, je retrouve cette chaleur-là. Mes tantes, qui sont à Saint-Charles-de-Borromée, qui ont grandi à Sainte-Béatrix, et nous aussi, puisqu'on passait les étés, sont aussi venues avec moi. Et à chaque fois que je fais des activités ici, à connotation acadienne, je ne peux pas faire autrement que de penser à la résilience de ces Acadiens qui ont été déracinés et qui ont pris leur courage à deux mains pour se trouver une nouvelle terre d'accueil, de souligner ceux qui les ont accueillis, qui leur ont fait une place, parce qu'on a tous une place où on peut prendre et on peut vivre. Et quand on regarde les enfants qui ont grandi de ces Acadiens qui ont été déportés il y a 250 ans, ben on peut tous être fiers du Québec qu'on a bâti, de la région qu'on a et des municipalités fondatrices de la Nouvelle-Acadie ici au Québec. Et j'aimerais lever mon verre aux Acadiens, à ceux qui sont de descendance acadienne et à Madame Venn, bon 250e, je reviendrai aussi.